C'est la nuit dernière à l'Assemblée que les députés ont rétabli la possibilité de dissoudre une secte ou une association. Voilà qui nous replonge dans le dossier de la Scientologie, car la secte a pu échapper à la sanction, y échappera encore lors de son jugement à la fin du mois. Un feuilleton judiciaire et surtout législatif, puisqu'à l'origine, un tout petit article de loi qui était jusqu'à présent passé inaperçu. Explication nécessaire avec Pascal Justice et Guillaume Barbier. C'est l'histoire d'un article du Code pénal permettant de punir non pas des hommes, mais des personnes morales, associations ou entreprises coupables d'escroquerie. Le juge peut choisir entre plusieurs peines, au premier rang desquelles se trouve la dissolution, obligeant l'organisation à fermer boutique. Vient ensuite l'interdiction qui s'apprécie activité par activité. C'est la dissolution qui s'est envolée, balayée par la loi de simplification du 12 mai 2009. D'abord, le texte passe totalement inaperçu, bien qu'en chantier pendant des mois au Parlement. Il passe aussi inaperçu au tribunal, quand le parquet en juin requiert contre la Scientologie une peine qui n'existait plus. Il y a été demandé, outre les amendes, la dissolution, c'est-à-dire la peine de mort pour les personnes morales. La dissolution ou la peine de mort, s'indigne l'avocat de la Scientologie qui ignore que la loi a changé. C'est une revue de droit qui lève le lièvre cet été. Et le scandale éclate à la rentrée. Il s'agit là d'une erreur matérielle et elle sera corrigée dès que possible. Une erreur matérielle, mais l'auteur de la loi parle, lui, d'une intention législative. Plus besoin pour lui de la dissolution. Il nous a semblé que sanctionner une escroquerie par une interdiction totale de faire toute activité directement ou indirectement, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et d'ajouter dans un communiqué, l'interdiction définitive de toute activité est une peine qui paraît suffisamment lourde et proportionnée. Ce qui est très frappant dans cette affaire, c'est qu'on supprime uniquement la possibilité d'une dissolution des personnes morales condamnées pour escroquerie et non pas pour d'autres infractions. Par exemple, pas des personnes morales condamnées pour abus de confiance. La dissolution n'est pas maintenue pour l'escroquerie, punie jusqu'à 10 ans de prison. Elle l'est en revanche pour l'abus de faiblesse ou de confiance, des délits moins graves selon le code pénal. Pourquoi ? Nous avons voulu poser la question à l'auteur de la loi qui n'a pas souhaité nous reparler. De rendre impossible la dissolution. Voici maintenant le sénateur qui a voulu rétablir la dissolution dans le code pénal. Il ne veut pas se contenter de l'interdiction. On doit préciser lorsqu'on prononce une interdiction d'abord la durée, mais aussi sur quel type d'activité porte cette interdiction. Il est bien plus efficace, lorsqu'on a affaire à une organisation quasi mafieuse, de prononcer carrément la dissolution. C'est des organisations bien trop malignes, bien trop douées, pour ne pas immédiatement savoir comment contourner l'interdiction. Que ceux qui souhaitent adopter voter à l'Assemblée et au Sénat, la dissolution réapparaîtra à la fin de l'année. La loi n'étant pas rétroactive, la Scientologie ne pourra pas être dissoute par le jugement du 27 octobre. Enfin, pas cette fois.